Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo recette. Voilà, dans quelques jours, c'est mardi gras. Et à la maison, voilà, à cette occasion, on a l'habitude de faire des bugnes. Donc, je vous propose tout de suite la recette en images. Pour 6 personnes, on aura besoin de 2 œufs, de 250 g de farine, d'un demi-sachet de sucre vanillé, d'un demi-sachet de levure chimique, de 30 g de sucre en poudre, de 50 g de beurre fondu et enfin de 20 ml de lait. Pour la recette, j'utilise mon Cook Expert, mais on pourrait très bien utiliser un grand saladier, ça ferait tout aussi bien l'affaire. Donc je viens ajouter les ingrédients un à un dans le bol de mon robot. Voilà. Par contre, petite précision, quand vous venez ajouter le beurre fondu, je vous conseille d'attendre un petit peu parce que si le beurre est trop chaud, ça va vraiment cuire la pâte et c'est pas ce qu'on recherche. Je sélectionne le mode pain brioche. Quand c'est terminé, je rabats la pâte et je relance le même programme pour obtenir une pâte facile à travailler. Avant tout, je viens fariner mon plan de travail. Ensuite, je viens étaler ma pâte sur à peu près 3 mm d'épaisseur. À l'aide d'une roulette cannelée, je viens découper ma pâte en triangle de façon à obtenir des jolies bugnes. À l'aide de mon couteau, je viens faire une petite incision au milieu de chaque bugne pour éviter qu'il ne gonfle trop à la cuisson. Temps de passer à la cuisson et pour cela je viens les plonger vraiment quelques secondes dans un bain de friture jusqu'à ce qu'ils deviennent suffisamment dorés. Une fois cuit, il ne reste plus qu'à ajouter un peu de sucre sur le dessus et à déguster. J'espère que la recette vous aura plu. En attendant, je vous souhaite un bon appétit et à bientôt dans une prochaine vidéo.